concrètement, la virtualisation est la possibilité d'installer une fonction réseau dans son data center. Une fonction réseau qui, jusqu'à maintenant, avait besoin d'une boîte dédiée. Prenons un exemple. Considérons un firewall, quelque chose de simple que tout le monde comprend. Alors aujourd'hui, grâce à la virtualisation, grâce à l'orchestration, on a la possibilité de déployer ce firewall dans un data center sans aucun besoin d'intervention humaine. De la même manière, on peut répliquer l'installation chaque fois un nouveau client d'un opérateur a besoin de vos mêmes services. Alors les avantages. La possibilité d'avoir un déploiement automatisé de fonctions réseau sans intervention humaine, la possibilité d'installer plusieurs instances, soit pour un nouveau besoin, soit pour monter en puissance. Surtout, très important, la possibilité de créer de nouveaux services d'une façon flexible, d'une façon rapide pour répondre aux besoins des clients. Et si on prend en considération des besoins complexes, des use cases, tels que par exemple la mobilité ou la vidéo, la mobilité pour un mobile provider, la vidéo ou des services managés pour l'entreprise, les avantages sont très évidents et très importants. Soit ils vont transformer leur business avec l'opportunité que la virtualisation leur offre pour se rapprocher aux besoins clients, soit ils risquent de perdre leur rôle et peut-être à un certain point disparaître. Chez Cisco, nous sommes impliqués dans plusieurs projets intéressants. Entre autres, par exemple, avec AT&T, avec leur domaine 2.0, qui est censé innover et virtualiser le réseau pour délivrer de plus en plus de services en virtualisation. Verizon, avec leur Network Virtualization Services, sont en train de planifier, de délivrer services entreprises, services business, d'une façon virtualisée et innovative. Au Japon, SoftBank, grâce à l'orchestration basée sur Yang, délivre des VPN à partir du data center d'une façon à la carte, d'une façon personnalisée pour chaque client. Et si on revient en Europe, par exemple, Deutsche Telekom a lancé les Virtual Managed Services, qui sont services managés à partir du data center. Et enfin, Telefonica est en train de simplifier leur opération avec l'introduction de l'orchestration et de la virtualisation. Cisco propose une vision globale de la virtualisation. La raison est qu'un service, l'expérience du service n'est pas la somme de différents composants, mais l'expérience, la connexion de bout en bout du service lui-même. Si on considère l'innovation Cisco, on peut voir quatre piliers intéressants. En premier, l'architecture. Cisco crée une NV infrastructure qui est ouverte, solide et qui permet un déploiement rapide de la virtualisation. Après les use cases, on a créé des use cases qui répondent aux besoins clients, aux besoins directs clients pour la mobilité avec Cisco Ultra Platform, pour la vidéo avec Cisco Infinite Video, avec Cisco VMS, Cisco Virtual Managed Services pour les services managés entreprise. En troisième lieu, l'orchestration qui permet de déployer rapidement de nouveaux services. Avec l'orchestration, on peut déployer des services en quelques minutes, quand dans le passé, on avait besoin de plusieurs semaines. Enfin, il ne faut pas oublier la sécurité qui doit être implémentée de bout en bout dans l'architecture pour permettre d'offrir des services solides et sécurisés au client final. Enfin, il ne faut pas oublier que la digitalisation ne va pas arriver du jour au lendemain. Le monde physique va vivre à côté du
monde virtualisé encore pour quelque temps. Le monde va être hybride. Et Cisco, avec l'expérience dans le réseau, dans le networking, peut ramener le savoir-faire qui va garantir le succès de cette transformation. L'innovation Cisco se déroule à plusieurs niveaux. Premièrement, dans l'infrastructure, où la composante réseau est devenue centrale, soit au niveau physique, avec les network switch, soit au niveau virtuel, avec les virtual switch. En deuxième place, l'orchestration avec l'innovation qu'on a ramené dans Yang et NetConf est l'habilitateur de la virtualisation. Enfin, open source. Plusieurs innovations de chez Cisco ont été transférées à des initiatives open source. On peut mentionner entre autres FDIO, Panda, Open Daylight, OpenNFV. Ça permet à Cisco de créer une industrie de la virtualisation, d'aider l'industrie de la virtualisation à devenir plus solide et répondre aux besoins clients. La virtualisation est la clé du succès. Avec des réseaux intelligents qui facilitent la création et le déploiement de nouveaux services ou applications de manière simple, agile et automatisée. Ensemble, préparons votre réseau aux défis du futur.